Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, bonjour qui est Jean-François. De retour à Nantes, avec grand, par un grand temps plaisir. Nantais de bruine, n'est-ce pas, un peu. Mais qui fait un peu, la bruine qui fait un peu meilleure de température. Mais c'est très barbare, c'est parfait, ça me convient très bien. C'est très barbare, d'autant que nous allons parler aujourd'hui du dernier ouvrage signé Emmanuel de Varesquiel, 7 jours, en effet, une semaine qui est traitée en 478 pages, dont vous pourrez compter le nombre de pages par jour. 7 jours, c'est l'histoire du début de la Révolution française en France, du début du basculement de la France dans la Révolution, d'où le sous-titre « La France entre en Révolution ». La France entre en Révolution. Alors, on pourrait se demander pourquoi Emmanuel, qui s'est intéressé en d'autres temps à la Restauration, qui s'est intéressé en d'autres temps à des personnages de l'Empire, Fouché ou Talleyrand, s'intéresse tout à coup à ce qui s'est passé avant. Alors, certes, il y a eu Marie-Antoinette. C'est un jalon. Très bel ouvrage, hein, qui se lit très, 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 très facilement. Mais, comme tu le dis, je regarde en arrière et parfois en avant. Je regarde en arrière. Donc, est-ce à dire que pour comprendre la Restauration, les idées du début du XIXe siècle, il a été nécessaire de se pencher sur ce qu'il y avait avant. L'Empire, au travers de deux personnages emblématiques et ô combien sulfureux, ambigus, etc. Et finalement, la période de la Révolution. Et dans la période de la Révolution, précisément, ce qui l'a initié, ces fameux 7 jours du 17 au 23 juin 1789. Oui, c'est une logique à rebrousse-poil, comme dirait Walter Benjamin. En effet, je prends l'histoire à l'envers et je remonte le cours de l'histoire, mais pour une raison très, très, très simple, c'est qu'en effet, j'ai beaucoup travaillé sur la première moitié du 19e siècle et je me suis aperçu que ce 19e siècle et probablement aussi le 20e siècle et sont traversés par ces retombées de la Révolution française. La France reste, dans un certain sens, coupée en deux. On a une expression, d'ailleurs, à l'époque, pour ça, on parle de l'ancienne France et la France nouvelle. Et que la plupart des débats, surtout au cours de ces périodes dites de monarchie constitutionnelle, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, entre 1814 et 1848, la plupart des débats politiques tournent autour de cette question, de la question de la restitution des biens d'émigrés nationalisés sous la Révolution, de la question de l'émigration d'une façon générale, de la question de l'égalité, de la question évidemment des libertés, liberté d'association, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté religieuse. Et donc cette révolution, littéralement, contrairement à ce qu'a dit Bonaparte après son coup d'État de Brumaire en 8, donc en novembre 1799, lorsqu'il s'empare du pouvoir, il a cette formule que tout le monde connaît, la révolution est terminée, elle s'est arrêtée aux principes qui l'ont commencé. Contrairement à cette assertion de Bonaparte, qui par ailleurs remet de l'ordre dans la maison, on ne peut pas dire le contraire, la révolution se prolonge. François Furet, l'un de mes maîtres, l'a fait se prolonger jusqu'au début de la Troisième République. Moi, je considère que dans ces héritages psychologiques et aussi dans ces héritages de principes, liberté, égalité, fraternité, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Nous en sommes encore les arrière-arrière-petits-enfants. Donc, cette prégnance de la Révolution française au XIXe siècle m'a donné envie, travaillant sur cette époque-là, d'y voir d'un peu plus près. Et je me suis servi, j'ai tiré plusieurs fils. Le premier fil, comme tu l'as très bien dit, un fil biographique. Si j'ose dire, je suis monté sur le dos de Fouché et j'ai traversé la terreur à cheval sur Fouché. C'était tout de même un bon fil conducteur. Le,
Toute la question du choix des personnages pour un biographe, c'est celle, pour utiliser une métaphore, du jeu des clés et des serrures. C'est-à-dire, trouver la bonne clé qui ouvre la bonne porte, qui vous permet de voir le bon paysage. Et donc Fouché n'est pas seulement un homme de l'Empire, il a été le ministre de la police de Napoléon, mais c'est aussi un homme clé de la Révolution et de la période terroriste de la Révolution. En 1793-1794, il vient à Nantes d'ailleurs, et il met... Il instaure les institutions terroristes à Nantes, dont d'autres se serviront comme Carrier au tout début de la guerre civile et de la révolte vendéenne en mars 1793. Mmh. Ensuite, il va réprimer Lyon par des mitraillades, entre autres le mitrailleur de Lyon en décembre 1793. C'est un membre éminent de la Convention nationale et il est l'un de ceux qui participent à la chute de Robespierre, ô combien, un peu plus tard, en juillet 1794. Donc c'était vraiment un personnage important et si tu veux, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la dynamique terroriste, la dynamique révolutionnaire à travers lui. Et puis j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de changer d'angle de tir, de changer de position. L'historien peut adopter la position du tireur agenouillé ou du tireur fouché, ça dépend de ses choix. Et j'ai essayé de l'aborder à nouveau à travers une conjonction de coordination entre deux événements et deux lieux, qui si possible existaient encore. Parce que j'aime bien aller sur les lieux du crime, si j'ose dire, humer la géographie quand on a la chance de pouvoir la voir encore, et qu'elle existe encore. Donc la première conjonction de coordination, c'était le procès de Marie-Antoinette, le tribunal révolutionnaire qui existe encore, dont la salle existe encore, dans le palais de justice qui est maintenant la cour de cassation, à Paris, sur l'île de la Cité, et donc où a lieu ce procès en octobre 1793, procès tragique. Et puis je me suis dit, ayant traité, si j'ose dire, entre guillemets, du pire de la Révolution, enfin d'une période tout de même très noire, j'aimerais traiter du meilleur. Et donc j'ai essayé de trouver une autre conjonction de coordination, et très vite l'idée m'est venue de traiter du serment du jeu de paume, qui est prêté à Versailles le 20 juin 1789, dans cette fameuse salle du jeu de paume qui est à quelques encablures du château de Versailles, qui existe encore, qui a été un peu trop pieusement restaurée sous la Troisième République et réinventée en musée des gloires de l'Assemblée nationale, Bailly en tête, qui était le président de l'ordre du tiers-état, et conjonction de coordination, donc là, encore une fois, entre un lieu et un événement. Mais très vite, je me suis aperçu que je n'arriverais pas à donner à comprendre ce basculement fantastique qui a été celui de juin 1789, cette naissance de la nation, pour dire les choses, si je me contentais d'une seule journée, de cette journée du serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, et je me suis très vite aperçu que je devais ouvrir mon sujet chronologiquement, et c'est ainsi que j'ai adopté le principe de cette semaine, la semaine sainte de la future République, si on veut, la semaine sainte de la Révolution, qui commence le 17 juin 1789 et qui s'achève le 23 juin 1789. C'est un peu comme un match de tennis, c'est 3 sets et match. Le premier set, c'est le 17 juin. Le 17 juin, les députés du tiers-état se réunissent dans la salle des menus plaisirs qui leur a été assignée à l'occasion de l'ouverture des états généraux voulus par le roi Louis XVI et qui sont bloqués, qui patinent un peu depuis plus d'un mois, depuis le début du mois de mai 1789. Donc, pour passer outre ces blocages, les députés du tiers-état décident de se constituer Assemblée nationale. C'est une forme de coup d'État. C'est-à-dire qu'en se constituant Assemblée nationale, alors qu'ils participent aux États généraux comme ordre, sur un principe d'ordre inégalitaire en droit, qui est le principe d'Ancien Régime, aux côtés des députés du clergé et des députés de la noblesse. Donc c'est exclure d'emblée les deux tiers des États généraux, les deux autres ordres dits très vite privilégiés,
Et c'est exclure d'emblée aussi le roi, parce que cette décision qui est prise de se constituer en Assemblée nationale est prise unilatéralement. Ce n'est pas le fruit d'un contrat, d'une négociation passée entre le roi et les autres ordres. C'est une décision unilatérale qui dépossède le roi de la nation, et le dépossédant de la nation le dépossède de sa souveraineté. C'est séparer le roi de la nation, se dire comme représentant de la nation, ces 600 députés du tiers-État, se dire Assemblée nationale, c'est faire que la nation bascule de la tête du roi, si j'ose dire, et la souveraineté avec elle, bascule de la tête du roi à cette Assemblée nationale qui vient de se créer le 17 juin 1789. Donc, et puis en plus, ils prennent une deuxième mesure, ce 17 juin 1789, ils mettent la dette de l'État, car on sait très bien que les États généraux sont convoqués par Louis XVI, pour résoudre un problème qui est inhérent à la monarchie, qui est celui des déficits des comptes publics, du déficit des comptes publics, ils mettent la dette de l'État sous la garantie et l'honneur de la nation française. Et ils empêchent le roi, ils déclarent illégitimes tous les impôts royaux. C'est déposséder aussi le roi de l'un de ses principaux pouvoirs régaliens, qui est celui, comme on le sait, de battre monnaie et de lever l'impôt. Et donc ça, c'est le premier set hein, qui est absolument important. Le roi réagit très lentement, on parlera de lui peut-être tout à l'heure, et prend la décision, mais sans fixer une journée particulière pour cela, d'organiser une séance royale au cours de laquelle il donnerait, il proposerait un train de réforme, notamment fiscale, devant les députés des trois ordres des États généraux. Et pour ce faire, il doit réorganiser la grande salle commune des États généraux où siègent les députés du tiers État pour remonter l'estrade royale, le dais royal, de façon à ce que cette séance royale ait lieu selon les normes de l'étiquette de Versailles, de ce qui deviendra très vite l'Ancien Régime. Et donc on fait fermer la grande salle des menus plaisirs. Et le 20 juin au matin, à 9h du matin, il pleut. Lorsque les premiers députés du tiers État se rendent à leur séance, ils trouvent porte close. Et Bailly en tête, qui est le président, l'astronome Bailly, qui est le président de l'ordre du tiers État. Et ils décident, pour que leur séance ait lieu, quelles que soient les circonstances et la fermeture de leur salle, ils décident à la suggestion de quelqu'un qui va devenir assez célèbre par la suite et qui s'appelle le bon docteur Guillotin. Le docteur Guillotin est celui qui avait des idées. Qui avait quelques idées, donc, et notamment celui, dans un certain sens, de rendre la mort égale et aussi, si j'ose dire, douce que possible, une simple fraîcheur sur la nuque, disait Guillotin à propos de son instrument. Hein. On en a malheureusement un peu beaucoup abusé par la suite. Et donc Guillotin, dans cette espèce de tumulte, de cette assemblée en plein air des députés devant les grilles closes de l'hôtel des menus plaisirs, Guillotin a cette idée de proposer aux députés du tiers de se rendre non loin de là, de l'autre côté de l'avenue de Paris, on est toujours à Versailles, hein, quasiment devant le château, hein, Louis XVI est là, et il se trouve là un jeu qui était un peu le jeu des rois et le roi des jeux à l'époque, qui est un peu l'ancêtre du squash et du tennis, qui s'appelle la paume. Et se trouvait à proximité de l'hôtel des menus plaisirs, cette salle du jeu de paume, que les députés vont donc investir vers 10-11 heures du matin, le 20 juin, et c'est là qu'ils prêtent, deuxième étape, donc deuxième set, qu'ils prêtent ce fameux serment de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Donc, ils s'étaient déclarés Assemblée nationale le 17 juin, le 20 juin, ils se déclarent Assemblée constituante. C'est une étape supplémentaire dans la prise du pouvoir. Et la troisième étape, alors je résume, hein, c'est le 23 juin. Ce sont juin, les trois grandes étapes de l'ouvrage. Le 23 juin 1789, la séance royale a finalement lieu. Louis XVI se présente devant les députés, propose un train de réforme qui est probablement le plus téméraire, le plus avancé qu'il n'ait jamais proposé depuis le début de son règne en 1774. Mais il le propose dans un certain sens trop tard. Et lorsqu'il demande aux députés de se retirer et de siéger à nouveau le lendemain dans leurs salles respectives, parce que toute la question était de savoir si on délibérait en Assemblée générale ou séparément. Délibérer en Assemblée générale, c'était donner la majorité au tiers-État
car les députés du tiers-État, à peu près 600, étaient aussi nombreux que les 300 députés de la noblesse et les 300 députés du clergé. C'est un enjeu de taille. Et Louis XVI, s'il propose un train de réforme très, très avancé, reste fidèle à l'organisation de la société en ordre différencié, en corporation, reste fidèle à ce qu'on appelait les antiques franchises et libertés du royaume, qui faisaient du royaume une sorte de mosaïque de différences juridiques et fondées en droit entre les provinces, les villes, les communautés, les corporations, les ordres, les parlements, etc., etc. Donc il demande aux députés de se retirer. Les députés du clergé en partie et les députés de la noblesse acceptent de se retirer. Les députés du tiers-État restent sur place comme une sorte de protestation muette et refusent de quitter la salle. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu cette fameuse algarade entre l'envoyé du roi, le marquis de Dreux-Brézé, qui est le grand maître des cérémonies du roi, qui arrive en panaché avec cette canne à pommeau d'or, probablement précédé des héros d'armes du roi, pour signifier au président des députés du tiers-État qu'ils doivent se retirer. Et c'est à ce moment-là que le comte de Mirabeau, qui est le seul député de la noblesse à avoir été élu au sein du tiers-État, à Aix, en Provence, dans le Midi, c'est une famille du Midi, les Mirabeau, comme vous savez, une famille provençale, c'est à ce moment-là que Mirabeau se lève et aurait prononcé cette fameuse phrase, ça on en reparlera, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Et tout de suite après, donc Dreux-Brézé se retire, un peu penaud, va prévenir le roi, qui décide au tout dernier moment de se rendre une nouvelle fois à la salle des États généraux, mais s'aperçoit qu'il est trop tard et que les députés l'ont quitté entre-temps. Et cette algarade entre Mirabeau et Dreux-Brézé est suivie d'une dernière motion qui est votée par les députés du tiers-État, qui se déclare inviolable. Jusqu'alors, l'inviolabilité était réservée, évidemment, à la personne royale et certainement pas à des représentants d'autant plus convoqués par le roi pour donner leur avis, mais certainement pas pour décider des choses. Donc vous voyez, voilà, c'est une espèce de prise de pouvoir en trois étapes qui fait la révolution. Madame de Staël le dit dans ses considérations sur la Révolution française, la Révolution est faite. Alors elle est faite avec des conséquences que l'on va probablement retrouver par la suite dans les différents épisodes qui vont entraîner la Révolution jusqu'à la Terreur en 1793. Et je terminerai cette très brève et rapide évocation de cette semaine de la sacralité républicaine, si j'ose dire, ou de la naissance de la sacralité républicaine, parce que je reviens sur la question du serment. C'est la première fois qu'on prête un serment civil. C'est une sorte de naissance de la sacralité laïque, du renversement de sacralité de l'ancienne sacralité chrétienne à la sacralité, la future sacralité de la République française. Le sacre, jusqu'alors, il était prêté par le roi à Reims au moment de son sacre, qui devenait loin du Seigneur par la position du Saint-Crème, alors que le sacre du 20 juin, enfin le serment du 20 juin 1789, c'est un serment qui est décalqué de ce qu'on imaginait être les serments de l'Antiquité romaine. Le peintre David avait donné déjà quelques modèles, notamment à travers le serment des Horaces, qui avait été exposé au Salon de Paris en 1787, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un serment main levée, on jure, en levant le bras, de prêter serment à la nation et de rester fidèle à la nation. Donc c'est tout à fait, on entre dans un autre univers. Et cette semaine se termine le 23 juin par une sorte d'abdication du roi. C'est-à-dire que, le roi ne réagit pas à cette violence qu'il est en train de subir de la part des députés du tiers-État. Il cède et c'est un peu comme le jeu des dominos. Une fois qu'il a cédé une première fois le 23 juin 1789,
Il cède non seulement aux députés du tiers-État, mais il cède aussi au peuple et à la foule qui envahit une première fois les cours, la cour de Marne du château de Versailles et les couloirs, les escaliers et les antichambres de l'intérieur du château. On pense toujours que Versailles a été envahi une première fois en octobre 1789, vous savez, quand la famille royale est obligée et forcée de quitter le château et de se rendre aux Tuileries. Et là, le château est envahi dans la soirée du 23, c'est la première fois. Et le roi cède. Et il ne fera plus que céder, si j'ose dire, pour des raisons qu'on essaiera peut-être d'expliquer tout à l'heure, de rapport de force hein, entre la Révolution d'un côté et le roi de l'autre, mais par ce jeu de domino qui avait été évoqué par Eisenhower, si mes souvenirs sont bons, à propos de la guerre de Corée dans les années 1950, Eisenhower disant « si nous cédons sur la Corée, nous céderons sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est ». Et il parlait donc de cette théorie des dominos. Il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que le roi cède le 23 juin 1789, il va céder le 6 octobre 1789, il va céder le 21 juin 1791, il va céder le 20 juin 1792 et finalement jusqu'à la prise des Tuileries le 20 août 1792. Donc c'est une espèce de processus qui se met en marche et qui commence à ce moment-là. Alors, on peut parler du perdant, enfin du perdant, du représentant des perdants, de ce qui va être l'ancien régime, le roi, donc celui qui cède et qui va continuer à céder. On en a une certaine image de Louis XVI. Un garçon pas vraiment fait pour être roi, influençable, qui s'occupe de grands voyages, de découvertes, de serrureries, de choses comme ça. Quelqu'un de pas très crédible, c'est l'image d'Épinal que l'on a. Il faut toujours partir de la légende. Que l'on a du roi. Alors un roi qui cède, on se dit, ben oui, c'est dans la droite ligne du gars qui n'est pas vraiment capable de mener son pays. Est-ce que c'est vraiment ça, Louis XVI, en 1789 ? Est-ce que, comme vous le dites, comme je l'ai lu, ça n'est pas le dernier représentant de l'absolutisme royal ? Parce qu'il est pétri de cet absolutisme royal. Il est peut-être un peu lent à la détente, à la prise de décision et à la réaction, mais il est pétri d'une culture qui le dépasse. Et puis, on est dans une conjoncture un petit peu particulière, la mort du dauphin, qui marque quand même les événements, même si c'est une question d'ordre privé. Le dauphin, c'est quand même celui qui est censé suivre le roi. Ça arrive en même temps. Quand il se retire, c'est un peu pour faire son deuil, non seulement de cette prise de pouvoir par le tiers, mais le deuil de son fils. Alors, Louis XVI, un faible, un faux faible, un fort qui s'ignore, c'est qui Louis XVI ? C'est passionnant. Alors, je voudrais commencer par une remarque. C'est que je l'ai fait à plusieurs reprises dans plusieurs de mes livres, c'est qu'on ne peut pas comprendre une période, ou même un personnage d'ailleurs, si on n'en fait pas le tour complet. C'est-à-dire, on mettra le doigt sur l'intensité et la tragédie d'un moment de l'histoire à partir du moment où on le regarde des deux côtés. On ne regarde pas seulement du côté de la Révolution ou seulement du côté de la contre-révolution, mais qu'on montre ses adversaires face à face dans leurs faiblesses et leurs forces respectives. Ça, c'est un premier point, c'est du point de vue de la méthode, si vous voulez. Quant à Louis XVI, je me suis très vite aperçu qu'au fond, ce qui reste de Louis XVI dans la mémoire collective jusqu'à aujourd'hui, naît très tardivement. Si on prend l'ensemble de son règne, qui commence en 1774 et qui se termine effectivement en 89, sur le papier un peu plus tard en 1792, mais en réalité il perd le pouvoir en 1789, on s'aperçoit que les jugements dont on se souvient sont nés en 1789, sont nés au début de la Révolution française. Des jugements qui sont en général négatifs, qui font de Louis XVI soit un traître d'un côté,
qui aurait joué un double jeu et qui aurait trahi la Révolution, soit un faible et un indécis. Et quand on lit les journaux, je me suis beaucoup servi de journaux inédits qui étaient conservés, entre autres, dans les bibliothèques de Versailles, aux archives nationales, aux archives de la guerre et dans d'autres fonds, la Bibliothèque nationale. On s'aperçoit que Louis XVI est en 1789, par rapport à un contexte donné, à une situation donnée, assez universellement méprisé et donné pour un roi indécis, faible, incapable de prendre quelque décision que ce soit. Donc voilà, c'est cet héritage-là, c'est cet héritage mémoriel-là qu'on nous a légué. Mais je pense que si on veut comprendre un roi comme Louis XVI, il faut le regarder à l'aune de l'ensemble de son règne. Depuis le moment où il monte sur le trône à la mort de son grand-père Louis XV en 1774 jusqu'en 1789. Et on s'aperçoit au fond que le règne de Louis, au moins jusqu'en 1787, le règne de Louis XVI a été un assez grand règne de plusieurs points de vue. D'abord du point de vue des relations extérieures et de la guerre. Louis XVI, dans un certain sens, prend une revanche éclatante sur les échecs de son grand-père Louis XV, qui est obligé de signer une paix humiliante avec les Anglais en 1763. Louis XVI est l'homme de la réforme profonde de la marine française. Il est dans un certain sens l'homme de la puissance maritime de la France. Et souvenez-vous que les seuls moments au XVIIIe siècle où la flotte française bat la flotte anglaise, c'est à l'occasion de la guerre d'indépendance américaine, la bataille de Chesapeake, par exemple, au large des côtes américaines, et d'autres batailles. Et quand Louis XVI, après avoir décidé d'intervenir auprès des insurgents américains contre la puissance anglaise et être sorti de ce conflit victorieux lorsqu'il signe la paix, la deuxième paix de Paris, en 1783, 20 ans après la paix humiliante de 1763, il prend une revanche éclatante sur les défaites françaises du règne de Louis XV. Donc dans ce sens-là, c'est un grand roi de guerre. Et c'est aussi un grand roi législateur qui, à travers les réformes de Turgot, les réformes de Calonne, a profondément modifié, je dirais, l'appareil administratif, l'administration royale, a tenté, réforme après réforme, de l'unifier, de la centraliser, ce que fera, par ailleurs, par la suite, la Révolution française elle-même, mais aussi a tenté des réformes de justice fiscale. Par exemple, l'impôt territorial qu'il essaye de faire passer par le biais de l'un de ses derniers ministres des Finances, Calonne, est un impôt qui met fin à l'inégalité fiscale de l'impôt foncier. On déclare que toutes les terres, quel que soit leur statut, y compris les terres seigneuriales, paieront l'impôt. Donc il y a eu tout ça. Mais dans un certain sens, Louis XVI a été pris en étau entre, d'une part, des volontés réformistes. Il avait le goût de la réforme, mais probablement n'en avait-il pas le tempérament. Donc ces volontés réformistes qui traversent tout son règne, et en même temps une fidélité à ce qui le constitue et à ce qui le légitime, c'est-à-dire l'inégalité de la société en droit. Louis XVI est primus inter pares, il est le premier de l'ordre de la noblesse, et il règne avec une légitimité qui tient précisément à cette organisation très particulière de l'Ancien Régime, qui fait que la société est divisée en trois ordres, comme on l'a dit tout à l'heure, etc., etc. Il est pris dans cette contradiction-là, et il ne parviendra pas à s'en défaire. Donc ça, si vous voulez, c'est l'ensemble de son règne. Qu'il conduit selon un système qui, dans un sens, ressemble beaucoup à celui de son ancêtre Louis XIII, que j'appellerais un système de ministériat. C'est-à-dire que Louis XVI est quelqu'un de secret, quelqu'un qui est jaloux de son pouvoir, qui n'aime pas, qui accorde très difficilement sa confiance, et qui, au moins jusqu'en 1787, va régner selon un principe de ministériat, c'est-à-dire avec un principal ministre auquel il accorde sa confiance. Ça sera Maurepas, ça sera le comte de Vergennes, qui est son très grand ministre des Affaires étrangères, et qui je dirais,
invite le roi et parvient à convaincre le roi de s'engager contre l'Angleterre. Et puis ça sera enfin son ministre des Finances, Calonne. Qu'est-ce qui se passe en 1787 alors que Calonne lui annonce que les déficits de l'État sont gravissimes et que l'État va à la banqueroute, en partie d'ailleurs à cause des dépenses occasionnées par l'engagement du corps expéditionnaire français aux États-Unis, en Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Calonne ne tient pas face à une opinion. Il est déjà obligé de gouverner selon l'opinion. Louis XVI ne tient pas face à une opinion qui lui est très hostile. Vergennes meurt. Et Louis XVI n'a plus de principal ministre de confiance. Il est obligé de prendre à contre-cœur un ancien banquier genevois qui s'appelle Jacques Necker, qu'il n'aime pas, qu'il déteste probablement, et avec lequel il va être obligé d'entrer dans la période la plus compliquée et la plus difficile de son règne, qui est celle de ces années qui précèdent la Révolution française, avec une montée en puissance des mécontentements, une montée en puissance de l'opinion publique et une épée de Damoclès qui littéralement est au-dessus de sa tête, qui est celle des déficits de l'État, qui l'oblige à contre-cœur et à reculons à convoquer les États généraux. Donc Louis XVI est face à un conseil qui est divisé, profondément divisé, face à un Premier ministre dont il n'a pas confiance. Et en même temps, donc effondrement politique dans un certain sens, et en même temps effondrement psychologique, le 4 juin 1789, c'est-à-dire quelques semaines après la convocation des États généraux, comme tu l'as dit, Jean-François, il perd son fils aîné, c'est quand même pas rien, le futur roi de France, qui meurt de ce qu'on appelait la pneumonie. De tuberculose en réalité, à 7 ans et demi, une tuberculose osseuse qui a été terrible. Cet enfant a vécu les deux dernières années de sa vie de façon terrible. Donc on imagine l'effondrement psychologique que ça a pu être au sein de la famille royale. Une des scènes d'ailleurs que je raconte dans le livre, c'est cette scène de grand deuil où la reine couverte de noir reçoit toute la cour. Quelques jours après la mort du dauphin, le 6 ou le 7 juin 1789, et reçoit les condoléances de la cour. C'est comme une scène de déchirement, c'est comme une scène d'effondrement de tout, effondrement psychologique, effondrement politique, alors même qu'au même moment, l'opinion éclairée, entre guillemets, ceux qui savent lire et écrire. N'oublions pas que la France sait lire et écrire à 40% sur une population de 26 millions d'habitants, alors même que le roi affronte les députés du tiers-état des États généraux et cette opinion qui est de plus en plus hostile, et qui est hostile sur un principe qui est extrêmement dangereux pour le roi, qui est le principe de la revendication égalitaire. Et sur un principe qui est quasiment, ou dans une atmosphère, qui est quasiment une atmosphère de guerre civile, de revanche à prendre par la bourgeoisie sur la noblesse par rapport aux privilèges. Ce climat de juin 1789, certes, il est printanier par certains aspects, par ceux de l'utopie, de l'enthousiasme, du fait qu'on est persuadé que demain sera mieux qu'hier et qu'on est persuadé du bonheur du peuple. Mais en même temps, ce climat n'est pas si printanier que ça, et cette serre chaude des États généraux, des rues de Paris et de l'ensemble d'ailleurs du royaume, est celle d'un royaume qui est quasiment sur le bord de l'insurrection, avec des émeutes qui ont lieu un peu partout depuis le début de l'année, qui sont non pas des émeutes politiques encore, mais des émeutes antifiscales et des émeutes contre le pain cher, ce qu'on appelle des émeutes frumentaires, qui explosent partout dans le royaume. C'est-à-dire que vraiment, la situation du royaume est pré-révolutionnaire. Et au sein des États généraux, les députés, les uns vis-à-vis des autres, nourrissent des rancunes, de la jalousie, des soupçons. Très vite, les rumeurs de complot vont s'emparer de la tête des députés. Et au fond, le complot, c'est ce que l'on retrouve au cœur de la dynamique révolutionnaire et du processus révolutionnaire. On commence par condamner ou par montrer du doigt le complot dit des aristocrates, où les députés du tiers pensent que les aristocrates vont monter à cheval, vont s'emparer d'eux, les emmener à la Bastille, et que le roi va faire bombarder Paris, et qui se termine par le complot des prisons,
en juin 1794, au moment de ce qu'on appelle la Grande Terreur, peu avant la chute de Robespierre. Le complot, c'est vraiment le combustible de la Révolution française. Et en cela, nous autres Français, je trouve, nous sommes assez littéraires. C'est-à-dire que nous sommes très sensibles aux mots. Nous sommes sensibles aux mots et nous sommes assez sensibles aux fantasmes. Nous ne sommes qu'à demi les enfants de Descartes. Nous avons fait la révolution au nom de la raison et des droits naturels, certes, mais en même temps, nous l'avons pratiqué la tête pleine d'imaginaire, ce que Thiers appelle le réel d'imaginaire, qui quelquefois l'emporte sur le réel tout court, pleine d'imaginaire, de rêves et de fantasmes. Et c'est ce paradoxe-là que je trouve très intéressant s'agissant de cette Révolution française, parce qu'on le retrouve en 1830, pour la Révolution de 1830, on le retrouve pour la Révolution de 1848, et je dirais presque jusqu'en mai 68, qui est aussi une révolution de mots et de fantasmes. Alors, c'est vrai que la France est un peu sur une bouilloire. On ne mange pas à sa faim. Il y a eu des hivers extrêmement rudes qui ont fait en sorte que la population dans les campagnes n'arrive pas à faire la soudure. Il y a la question des impôts. Il y a les frondes des parlements qui font monter la sauce. Mais finalement, il y a cette réalité-là. Mais dans ces 7 jours, on parle énormément, on discute, on échange, on ne passe pas seulement son temps à vérifier les mandats de tel ou tel député, voir s'il peut voter, s'il a voté, bon, etc. Parce que c'est un peu comme les élections à américaines, on compte, on recompte, on fait beaucoup ce genre de choses dans les jours du début de la Révolution. Mais on échange, est-ce qu'on ne se gargarise pas de mots, une utopie, un rêve, j'ai relevé ces mots dans le livre. On rêve d'une égalité, mais qui n'est pas une égalité de droit, qui est une égalité de propriétaire, plus qu'une égalité civile. Ces députés du tiers qui prennent le pouvoir, qui déposent leur roi, qui se déclarent nation, est entendu qu'il va falloir que l'on définisse ce qu'est une nation. Absolument. À cette époque-là. Ils confisquent le pouvoir. Ils disent, la nation, c'est nous qui allons faire. Ils viennent d'un peu partout, mais beaucoup de la bourgeoisie. Il n'y a pas que le père Gérard, qui vient d'Enbon, qui doit parler français, mais qui parle aussi breton. Et le Ventès est quelque chose. Ces députés, ils ont fréquenté les chambres de lecture, ils lisaient les gazettes, ils discutaient sur Rousseau et autres. Bon. Ce sont eux qui discutent, ce sont eux qui prennent le pouvoir. Au nom de quoi ils le prennent? Au nom d'idées? Au nom d'une égalité, d'une revanche? Parce qu'au début, c'est un peu ça. Avant que le peuple vraiment qui est à l'arrière, dont on ne sait pas encore qui il est, va se manifester. Le 14 juillet, dont vous dites que c'est un épiphénomène, et c'est vrai, c'est l'image de Marc, mais c'est pas là que ça s'est fait. Le 14 juillet, c'est la manifestation du peuple. Le peuple est dans la rue. Bon. Mais qui sont ces députés du tiers qui prennent le pouvoir? Quelle légitimité ils ont? Comment ils estiment qu'ils ont la légitimité pour prendre le pouvoir et pour déposer le roi? Alors, ça, il faut revenir à cette brochure célèbre de l'abbé Sieyès, qui est l'homme de la situation. C'est lui qui porte la motion de l'Assemblée nationale le 17 juin. Vous connaissez sa brochure « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Oui. Rien. Qu'est-il en réalité? Tout? Que veut-il devenir? Quelque chose. Voilà. Bon. Et en effet, d'un point de vue démographique, la noblesse, c'est quelques 300 000 individus. Le clergé, c'est entre 200 et 250. Et tout le reste des 26 millions de Français, c'est ce qu'on appelle le tiers-état. Mais qui sont ces représentants du tiers-état à l'Assemblée nationale? C'est évidemment pas la France rurale. La France, le royaume est à 80%,
10%. Oui, oui, même à 90%. Il y a très très peu de représentants de la paysannerie et de ce qu'on appelle les gros laboureurs à l'époque, dont le père Gérard, mais il est un épiphénomène. Les gros bataillons de députés du tiers-État, ce sont ce qu'on appelle des membres de la basoche. La basoche, c'est tout ce qui tourne autour des parlements, les officiers les de justice, avocats, voilà. Les officiers de justice, les notaires, les officiers de justice, voilà. Les notaires, ceux qui ont rédigé les cahiers, les lieutenants civils, voilà. Les criminels, ceux qui rédigent les cahiers de léance et qui sont surreprésentés par rapport à ce qu'ils sont numériquement, si j'ose dire, par rapport à la population. Et ce sont des hommes de discours, de plaidoirie, de mémoire à consulter. Tout à fait. Et c'est eux, précisément, qui s'emparent de la parole parce qu'ils ont l'habitude de la parole. Et ce sont des hommes de droit et qui ont, dans un certain sens, l'habitude de l'abstraction du droit, c'est-à-dire de faire entrer le droit dans la complexité de la réalité d'une société ou d'une situation donnée. Et ma thèse, c'est de dire que les abstractions de 1789, liberté, égalité, indivisibilité, unité de la nation, ne sont pas tant le produit des Lumières, du contrat social de Rousseau, mais également le produit de cet esprit très particulier de ces hommes de loi qui vont faire la Révolution en 1789 et qui sont habitués aux mots et aux abstractions. Et ça, je pense qu'il faut toujours regarder les choses du petit côté de la lorgnette, c'est-à-dire du côté des origines sociales, de qui sont ces gens-là, du sujet, ce qu'on appelle le sujet, les sujets de l'histoire, pour essayer de comprendre un peu. Et donc, la révolution advient sur des principes abstraits, liberté, égalité, et en même temps, pour utiliser un terme à la mode, en même temps sur un fond psychologique et social qui est un fond de revanche sociale d'une certaine bourgeoisie, pas la très grande bourgeoisie commerçante et négociante, par exemple, oui, celle de Nantes, mais une bourgeoisie intermédiaire qui est très très loin de l'anoblissement encore et qui est cette bourgeoisie des petits offices de judicature, ce qu'on appelle les offices de judicature, qui veut prendre une revanche sur les élites de la noblesse et du clergé. Donc il y a cette espèce de double conjonction de coordination entre la mise en avant du principe d'égalité, qui en France l'emportera toujours sur le principe de liberté. Je suis frappé de voir, si on regarde notre histoire contemporaine depuis la Révolution française, à quel point les Français ont facilement abandonné leur liberté pourvu qu'on leur conserve l'égalité. Ça a été le cas sous l'Empire, ça a été le cas à d'autres périodes, je ne veux pas m'appesantir, mais il est vrai que nous avons peut-être encore plus l'égalité chevillée au corps, et ça c'est un héritage de 89, que la liberté, même si nous sommes évidemment très sensibles à la liberté, que la Révolution s'est faite au nom de la liberté, même si... Qu'as-tu fait en ton nom, disait Madame Roland sur l'échafaud en regardant la statue de la liberté en 1793. Voilà, c'est ce mélange des principes d'un côté et d'un climat social délétère et au bord de la guerre civile, de l'affrontement civil. Après tout, la terreur, c'est une guerre civile, hein, dans un certain sens, qui préside en 1789. Donc, si je veux dire, c'est une révolution bourgeoise qui ne l'est pas vraiment, qui va être supplantée par une révolution du main du peuple. Est-ce qu'on peut considérer que l'évolution de ce mouvement depuis les 7 jours jusqu'à la terreur est la reprise en main de la révolution par le peuple, le peuple de base, si on peut dire, les artisans, principalement eux, qui vont prendre la main, qui vont tenir les comités de salut public, qui vont tenir le bras armé du fournisseur de la guillotine. Les rapports qu'entretiennent les élites bourgeoises avec ce qu'on appelle le peuple et dont qu'on ne saura jamais véritablement définir, quel peuple s'agit-il, s'il y a au fond des peuples au sein du Royaume de France en 1789, sont des rapports extrêmement ambigus avec cette conscience qu'a la bourgeoisie d'une alliance nécessaire du peuple.
c'est-à-dire du passage du peuple à l'insurrection, de l'émeute à l'insurrection, c'est-à-dire au fond du passage des vieilles résistances populaires contre la fiscalité royale à l'utopie, à l'avenir et à la politique dans un certain sens. Mais en même temps, cette même bourgeoisie se méfie énormément de ce même peuple qui peut être dangereux. Et dans l'expression peuple, tel qu'il est prononcé dans les brochures publiées par cette bourgeoisie des sociétés de pensée, cette bourgeoisie des académies, des loges de francs-maçons, etc., il est bien spécifié, je pense à une brochure de Barnave, qui est un des députés les plus importants élus dans le Dauphiné, il est bien spécifié que dans son esprit, le mot « peuple » signifie la part éclairée du peuple, celle qui lit, écrit, publie. Voilà. Et pas le peuple dans sa totalité. Et toute la révolution est l'histoire d'une ambiguïté, de l'ambiguïté de cette alliance entre la bourgeoisie et le peuple, avec au fond, au bout du compte, une sorte de dichotomie entre deux légitimités, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. On l'a vu récemment, il y a quelques années, avec le mouvement des Gilets jaunes. Une légitimité qui est une légitimité démocratique de la délégation, de la représentation et des assemblées parlementaires, donc une légitimité de l'élection législative, d'un côté, qui est dans un certain sens qui s'est passé pour l'Assemblée nationale, la première Assemblée nationale en 1789, et de l'autre, une légitimité que j'appellerais de démocratie directe, une légitimité de la rue, une légitimité du RIC, du référendum d'initiative populaire, citoyenne. Ou citoyenne, plutôt, oui, citoyenne. Qui s'affronte et qui s'est affronté pendant presque deux siècles avec la légitimité représentative. Et ça, c'est très particulier, je trouve, à cette ambiguïté de naissance de la Révolution française, et qu'on retrouve dès les années de la Terreur, à travers ce qu'on appelle les journées révolutionnaires. Lorsque les sans-culottes, les sections parisiennes, la Commune de Paris, marchent sur la Convention nationale, pour obtenir le maximum sur le prix du pain, pour obtenir des mesures de répression contre les contre-révolutionnaires. C'est la rue qui s'exprime. Ce sont des gilets jaunes. De l'époque. Dans un certain sens, c'est la rue qui s'exprime contre la représentation nationale qui est incarnée par la Convention nationale. Mais cette rue, est-ce le peuple ? Parce que les activistes révolutionnaires, les sans-culottes parisiens et les sans-culottes des comités de surveillance, des clubs de jacobins de l'ensemble de la République française, c'est une minorité. C'est quelque chose comme 500 000 personnes sur une population de 26 millions d'habitants. Donc on ne s'entendra jamais véritablement sur ce qu'est le peuple, mais l'utilisation du mot « peuple » a une force symbolique telle qu'on fera de la prise de la Bastille une victoire du peuple. Alors même qu'on sait très très bien qu'une partie, non pas du peuple, mais des petits métiers de la boutique du Faubourg Saint-Antoine s'empare de la Bastille parce qu'elle pense qu'il y a de la poudre, pas pour combattre le symbole de l'absolutisme royal et de la lettre de cachet, mais c'est tout simplement parce qu'elle a mis la main sur des fusils aux Invalides, qu'elle veut se défendre autour de cette rumeur qui veut que le roi ait l'intention d'attaquer Paris de vive force et qui a besoin de poudre, et qui ne prend pas la Bastille, mais entre dans la Bastille, dans la mesure même où son gouverneur, qui est aussi militaire que moi, je suis pape, qui s'appelait le marquis de Launay, fait ouvrir les portes, perclus de terreur. Il y a cette phrase très, très, très ironique de Rivarol, qui dit que M. de Launay avait perdu la tête bien avant qu'on ne la coupe. Ouais. Donc voilà, la prise de la Bastille va devenir un événement symbolique essentiel comme la première grande victoire du peuple pour des raisons de tactique politique et pour des raisons de nécessité d'alliance entre l'Assemblée nationale d'un côté et le peuple parisien de l'autre. Et la notion de nation, alors qu'est-ce que c'est en 1789 à la faculté de droit, on m'a appris que la nation, c'était la constitution d'une population qui se reconnaissait dans une langue, dans un territoire, etc. Bon.
Est-ce que c'est ça, à cette époque-là, la nation? Ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas de nation française à cette époque-là. La nation, ce sont essentiellement en 1789 des principes abstraits. C'est la liberté, toutes les libertés, sauf très vite la liberté d'association, et notamment l'association ouvrière. C'est la loi Le Chapelier, qui est un Nantais, non, un Rennais, mais il n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est l'égalité. Mais alors, de quelle égalité parle-t-on? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est probablement pour ça que nous sommes encore les lointains héritiers de la Révolution française, c'est qu'on a posé les principes si haut, on les a mis à une telle hauteur, qu'on continue dans un certain sens à courir après. Parce que de quelle égalité parle-t-on en 89? D'égalité civile, d'égalité politique ou d'égalité sociale? Quant à l'égalité sociale, nous n'y sommes pas et nous n'y serons probablement jamais. La Révolution s'est très très vite enfermée dans la beauté et la grandeur de ses principes, si j'ose dire, sans arriver à s'en dégager. Et quand la Révolution déclare la nation indivisible, indivisibilité de quoi et qui entre dans cette indivisibilité? Est-ce que le roi? Est-ce que les députés de la noblesse et du clergé entrent dans cette indivisibilité? Non. Donc, à partir du moment où ils sont en dehors de l'indivisibilité nationale, ce ne sont pas des opposants, ce sont des ennemis. Et il se passera ce qui s'est passé sous la terreur en 93. Donc, voilà. La nation, en 89, avant d'être quelque chose qui mettra un certain temps à être vécu concrètement et pratiquement, la nation, ce sont des principes. Ça commence par des principes. Égalité, liberté, indivisibilité. La fraternité, comme vous le savez, arrivera plus tard, en 1792. Alors, c'est une révolution, en fin de compte, très intellectuelle, au départ du coup. Même si elle a des, littéraire. Même si elle a des fondements pratiques, mais elle est matérielle. Je paye l'impôt, il faut que je mange, etc. C'est quand même très, très, très intellectuel. Est-ce que Bonaparte, quand il a dit « la révolution, c'est fini, j'arrive, c'est fini », est-ce que ça ne voulait pas dire l'utopie, c'est fini. Les discours, c'est fini. Maintenant, on va travailler concrètement, sans supprimer tout le discours qui restait dans la tête des intellectuels ou des Français qui avaient vécu ces 10 ans-là. Est-ce que finalement, c'est pas ça ce qu'il a voulu dire? En quoi il ne s'est pas totalement trompé? C'est parfaitement exact ce que vous dites. Il parle des députés. Des conseils du directoire qu'il va renverser d'avocaillons et de bavards. Et précisément, s'il met un peu un terme au système parlementaire à la fin du consulat, parce que le Sénat conservateur jouera un rôle, mais tout de même un rôle quasi muet sous l'Empire, c'est précisément parce que dans son esprit, il est temps de passer des mots. Des abstractions à une politique, à la réalité de la politique, c'est-à-dire au fond dans l'esprit de Bonaparte sous le consulat, la réunification d'une nation qui, bien qu'ayant été proclamée indivisible, était profondément divisée, d'où le code civil, d'où le concordat et la pacification religieuse entre 1800 et 1804. Alors, dans ces gens qui ont fait la révolution, qui l'ont pensée, qui ont pris le pouvoir, il y a ce qu'on appelle le club breton. Oui. Le club breton, alors évidemment, Nantes, je suis désolé, on est en Bretagne. Mais historiquement, parce qu'en 89, on y est encore, hein, on y est. Le club breton, pourquoi les Bretons ont-ils eu aussi d'importance au début de cette révolution? Il n'y a pas que les Rennais, les Nantais aussi. Absolument. Il y a Nantais Rennes, à ce moment-là. Pellerin, qui est un député de Nantes. Voilà. Nantes et Rennes ne se font pas la guerre. On se souvient d'une députation de jeunes hommes de Nantes qui vont aider leurs frères à Rennes, etc. Exactement. Pourquoi les représentants d'un pays d'État vont-ils finalement être dans les activistes? Dans ceux qui vont le plus faire bouger les choses. Parce que, il y a Pellerin, il y a De Fermont, il y a Langevinet, il y a Le Chapelier. Tous ces gens dont on a un peu oublié, non.
mais qui ont quand même été des grands acteurs. Qui sont les pères fondateurs de la République. Hein. Donc finalement, c'est une révolution bretonne. Les pères fondateurs, nous les avons un peu oubliés. Est-ce que c'est une révolution bretonne? Alors c'est intéressant, parce que le cas de la Bretagne est un cas un peu à part par rapport aux autres provinces. Au fond, il y avait deux modèles possibles au début de la Révolution française. Il y avait un modèle dauphinois, ce qui se passe dans le Dauphiné, c'est-à-dire que dans les assemblées qui précèdent les États généraux, qu'on appelle soit les assemblées d'État ou les assemblées provinciales, qui sont censées organiser les cahiers de doléances et préparer les États généraux, on trouve deux modèles qui sont absolument antinomiques. Le modèle dauphinois, donc à Grenoble, part du principe d'une négociation et d'un compromis passé entre les ordres, entre le tiers-État, la noblesse et le clergé. Et donc la révolution serait moins une révolution sociale qu'une révolution politique, construite sur un compromis, sur un gentleman agreement, si vous voulez. Ça, c'est le modèle dauphinois qui, finalement, ne va pas l'emporter en 1789. Et puis, il y a un autre modèle, qui est celui qui va l'emporter en juin 1789, c'est le modèle breton, qui est le modèle de la prise de décision unilatérale. Pourquoi ? Parce que, au sein des États de Bretagne, qui se réunissent en 1788, la situation est extrêmement tendue entre une noblesse bretonne qui est plus nombreuse qu'ailleurs, qui est plus pauvre qu'ailleurs, et qui est assise sur ses droits féodaux, seigneuriaux, beaucoup plus fortement que dans d'autres provinces du royaume, et qui est la première à ne pas admettre, au sein des États de Bretagne, le doublement ou l'augmentation du nombre des députés du tiers-État. Et donc, le conflit social en Bretagne est particulièrement aigu, jusqu'à des émeutes qui vont avoir lieu à Rennes en décembre et janvier 1789, et des morts. Chateaubriand en témoigne, car il participe aux États de Bretagne, et il est l'un des ces jeunes députés de la noblesse qui témoignent de ces émeutes rennaises très violentes qui ont lieu quasiment à la barbe de l'armée du roi, qui n'intervient quasiment pas. Car on ne l'a pas dit, mais le roi n'a quasiment plus d'armée en 1789. C'est aussi une des explications de la Révolution française. Ce modèle breton, qui est un modèle fortement égalitaire, né d'un conflit social aigu et violent, et finalement porté par les députés de la Bretagne, ceux dont on a parlé, Le Chapelier, Langevinet, De Fermont, Pellerin de Nantes et d'autres, et le modèle. Alors, il va l'emporter parce que ces Bretons ont une intelligence politique probablement supérieure à celle des autres, qu'ils sont les premiers à se rendre compte que un minimum d'organisation par rapport à la prise de pouvoir d'une minorité sur une majorité est essentielle, qui vont donc créer, dès l'ouverture des États généraux, ce qu'on a appelé le Club Breton, qui s'installe dans un café de l'avenue de Paris à Versailles, et qui par la suite deviendra le Club des Jacobins à Paris, et qui, par l'intermédiaire de ce Club Breton, qui va très vite accueillir beaucoup plus de députés que les seuls députés bretons, va organiser ce qui était un vaste chahut quand même, parce que les premières séances de l'Assemblée nationale sont pour le moins, c'est une litote agitée. Oui, c'est le désordre complet, pas d'organisation. D'autant plus parce que la salle n'était pas faite pour ça. Voilà, dans la salle des mille plaisirs, on voit bien toute l'humiliation des députés du tiers en noir, dans une sorte de parterre mal fichu, ouais. Alors que la noblesse et le clergé, de l'autre côté, ont droit au... place prépondérante, enfin, non, place non, ça, vous pouvez pas dire une chose pareille. Non, 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 c'est pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique sur le vêtement, oui. Qui était le vêtement traditionnel. Ah oui. Le tiers est en noir, le clergé est en blanc et noir, et la noblesse est chamarrée. Voilà. Bon, alors ça, évidemment que la première, ça c'est très intéressant parce que en France, tout passe toujours par des symboles et par l'étiquette. La première revendication égalitaire, c'est une revendication vestimentaire. Les premiers articles très violents qui sortent, ils sortent après le grand défilé, la grande procession inaugurale des États généraux, où les trois ordres défilent les uns derrière les autres, avec ces différences vestimentaires contre lesquelles les députés du tiers-État protestent.
C'est la première étape d'une revendication égalitaire. C'est très intéressant. Je vais vous prendre un autre exemple qui m'a frappé. C'est, on a parlé de cette algarade entre Debré-Brézé et Mirabeau à la séance royale du 23 juin. Ce dont personne n'a jamais parlé et que je retrouvais dans des archives privées, dans un fonds d'archives privées sur les bords de la Loire, non loin de Saumur, au château de Brézé, dans les archives donc des descendants de ce marquis de Debré-Brézé qui vient signifier aux députés du tiers de se retirer, c'est l'histoire suivante, qui a été complètement occultée. Vous savez, la mémoire, c'est souvent quand même la mémoire des vainqueurs, pas la mémoire des vaincus. Et Debré-Brézé représente le vaincu de l'histoire, qui est Louis XVI. Et que se passe-t-il avant même que Mirabeau n'intervienne? Lorsque Debré-Brézé entre dans cette grande salle, probablement un peu obscure, occupée par ses 600 députés du tiers-État, dans le désordre, qui sont assis plus ou moins sur les banquettes, les grandes banquettes vertes, et qui discutent et qui se posent la question de savoir s'ils resteront dans la salle et s'ils désobéiront aux ordres du roi. Brézé arrive, il a son chapeau sur la tête. Il est couvert, ce qu'on appelle, il est couvert. Pourquoi ? Parce qu'il représente le roi et que le roi, lorsqu'il parle, est couvert devant une assemblée qui, elle, est découverte, n'a pas de chapeau. Les députés, lorsque Debré-Brézé arrive dans la grande salle des menus plaisirs, n'ont pas leur chapeau sur la tête. Et la première chose qu'ils disent à Debré-Brézé, ils crient « chapeau bas ». Ils lui demandent d'enlever son chapeau parce qu'ils considèrent qu'il n'y a aucune raison pour que le roi, le représentant du roi, ait ce privilège d'être couvert, de conserver son chapeau devant eux. Et Debré-Brézé refuse d'enlever son chapeau. Et à bout d'argument, que dit-il? Le petit mot de cinq lettres. Merde. Il lance merde aux députés parce qu'il ne sait plus quoi faire et qu'il ne veut pas céder aux demandes du député du tiers. Et moi, ça me fascine, ces mots de l'histoire. Là, pour le coup, je l'ai vraiment retrouvé dans un récit qui est écrit par son fils. Ça me fascine parce que de quelle merde se souvient-on? De quel mot de cinq lettres se souvient-on du 19e siècle? C'est le maire de Cambronne, lancé à la tête des... Qu'il jure n'avoir jamais dit. Qui, par ailleurs, il n'a probablement pas dit, au milieu du dernier carré de la vieille garde à Waterloo, vers 5h du soir, face au cavalier anglais. C'est ce merde qui a été magnifiquement commenté par Victor Hugo dans Les Misérables, lancé par la liberté à la tête des rois, des anciens rois de l'Europe, etc., etc. Ce merde-là, on s'en souvient, alors même que probablement il n'a pas été prononcé. Alors que le merde de Debré-Brézé, qui a été prononcé, mais qui est un merde lancé par un roi qui est quasiment défait à la jeune nation triomphante, est un merde qui a été totalement occulté et oublié par l'histoire. Et ça, moi, ça m'intéresse toujours et ça me fascine toujours de démonter et de remonter les mémoires et de voir à quel point la mémoire absorbe l'histoire et à quel point elle tord l'histoire quelquefois. Alors c'est un livre, sept jours, c'est un livre de texte, un livre de discours, un livre de palabres, un livre de... de paroles qui sont prononcées justement par les gens qui savent les parler, qui savent les prononcer parce que c'est leur métier. Mais c'est aussi un livre, et je l'ai beaucoup apprécié, qui est un petit cahier iconographique. Oui, ça, je considère que l'image est une source à part entière pour l'historien autant que l'écrit. Et surtout, quand en plus on a des images inédites, autant les montrer. Et surtout que ces images sont assorties de ce qu'on appelle une légende développée. Oui. Il n'y a pas seulement la légende œuvre de un tel, elle est conservée à tel musée. Il y a le commentaire, parce qu'en fin de compte, les images telles qu'elles nous sont parvenues ne sont pas souvent conformes à ce qui a pu exister. Bien sûr. C'est une transmission, c'est une déformation du discours, c'est un vecteur. Et comme le discours d'ailleurs. Voilà. Le serment du jeu de paume, oui, révélateur. Le fameux tableau de David, qui est la première étape de la sacralisation de cette scène. Qui marque toute la différence entre la réalité de cette journée du 20 juin, où les députés se rassemblent un peu au jeu de paume comme des conjurés. Le sentiment dominant le 20 juin, c'est la peur. Les députés ont véritablement peur d'être emprisonnés, envoyés à la Bastille, sinon fusillés. Et donc c'est une décision, quasiment une décision de panique.
Mais on en fera très vite à travers David et à travers les discours postérieurs une décision sage et mûrement réfléchie de la part des députés de ce serment pris contre le roi de France le 20 juin 1789. Mais pour revenir à l'écriture et à la nature, si j'ose dire, de ce livre est un récit. Moi, je suis un homme, un historien du récit. Je considère que l'histoire ne peut passer que par des histoires et par des récits, quitte à ce qu'il y ait des parts d'analyse à l'intérieur du récit. Vous savez, pour utiliser une métaphore cinématographique, moi j'aime bien mener des travelling avant, c'est-à-dire donner à entendre les voix de mes personnages, auxquels je consacre beaucoup de portraits par ailleurs, des portraits écrits, et de temps en temps aménager des arrêts sur image pour essayer de donner du sens à ce qu'ils disent. Comme si j'intervenais un peu selon le dispositif du chœur antique de la tragédie grecque. Vous savez, le chœur qui commente l'action qui se passe sur scène. Vous savez, dans Antigone, mais qui est-ce cette petite brune là, à droite sur la scène? Elle ne sait pas qu'elle va mourir, elle s'appelle Antigone. Voilà. L'historien, de temps en temps, il opère des arrêts sur image pour mettre un peu d'analyse et donner à comprendre et rendre intelligibles les contradictions de voix qu'il donne à entendre à son lecteur à travers son récit. C'est ça un récit historique pour moi, et je suis très attaché et sensible à ça. L'histoire pour moi ne peut être une abstraction, pas de jargon, pas de discours abstrait, mais un récit vivant avec une part littéraire, forcément, une part de mise en scène, une part de choix aussi, une part de subjectivité, même si on essaye de rester aussi honnête que possible et humble que possible par rapport à ses sources. Mais pour moi, c'est ça un récit historique. C'est compliqué à construire, parce qu'il faut que ça soit bien construit pour que ça soit vivant. Mais au bout du compte, c'est vers cela que, à mon avis, les historiens doivent tendre et que j'essaye de tendre. Alors, on l'avait déjà avec le procès de Marie et Antoinette. Oui, c'était conçu un peu de la même façon. C'était un peu conçu comme ça, moins, avec des arrêts sur image. Quelques flashbacks, ce que j'appelais des notes de bas de page que vous remontiez dans le texte pour dire, lui qui intervient, qui est-il? Et ici, on en a beaucoup, on a beaucoup de portraits. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi il en est là? Ça, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus vivant, parce que on met non seulement un nom sur un nom, mais on met du corps. On met du passé sur un nom. Alors s'il faut dire aussi... Plus que, pardon Jean-François, mais on a parlé des Bretons qui ont été malheureusement un peu oubliés, mais en fait tous les grands personnages de la Révolution sont là. Ils sont déjà Robespierre, là. Robespierre, Mirabeau, ils sont déjà là. Chieyès et quelques autres, ils sont tous là, ils sont déjà dans l'action. Quoi. Et alors ce qui rend le rythme encore plus important... C'est la brièveté des chapitres. Ah oui. On a ici, mais alors je trouve ça génial, c'est un style qui aspire. Non seulement il y a la langue française qui est parfaitement bien traitée, mais ça on ne va pas en y revenir, je l'ai déjà dit, mais la brièveté des chapitres, autant de petites séquences qui s'enchaînent, qui vont prendre la scène par la gauche. Vont la prendre par la droite, ce qui permet de donner un dynamisme à quelque chose, à un récit qui quand même est vaguement chronologique, hein, puisqu'on part du 17 pour arriver au 23. Comment on y arrive? Par cette succession de petits chapitres, mais c'est habile. C'est comme des scénettes en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, vous commencez le livre, vous ne le quittez plus. Vous ne le quittez plus. Non, mais c'est assez fabuleux. Je dois dire que c'est la première fois que je lis un livre historique qui est traité de cette façon-là. Donc ça mérite d'être souligné. C'est une façon de dire l'histoire qui est beaucoup plus originale. Alors évidemment, si vous voulez casser le rythme, vous vous reportez en fin de volume à lire les notes. Alors, très habile de mettre les notes à la fin, parce que comme ça, c'est vite... Oui, ça ne dérange pas la lecture. Mais c'est comme une deuxième lecture, les notes. Voilà. Il faut le prendre comme ça. On a parlé tout à l'heure de la bibliothèque de Versailles. Oui. La bibliothèque de Versailles,
qui a servi, entre autres choses énormes, à construire ce récit, à des trésors. Oui, des trésors. Incroyable bibliothèque. Alors, c'est un fond pourquoi, fantastique. Pourquoi la bibliothèque de Versailles n'a-t-elle pas été plus exploitée par les gens qui ont traité de la Révolution? Parce qu'il y a beaucoup de choses inédites. Oui, dont d'ailleurs le journal du député de Nantes-Pellerin, qui est à Versailles. Comme quoi. qui est un journal passionnant. Il y en a beaucoup d'autres journaux, des correspondances, beaucoup de choses. Écoutez, ça pour moi, je suis profondément un homme de source. Je travaille sur, peu importe qu'il soit inédit ou pas, j'ai dû le dire en étant venu ici déjà une fois, c'est cette phrase de Breton que j'aime beaucoup, elle gise encore là les traces de l'étincelante armure. En vrai, on est des hommes de traces, et pour moi, un historien sans source n'est pas un historien. C'est vrai qu'il y a une espèce de césure au sein de la communauté historienne. Il y a des historiens qui travaillent avec des sources et des historiens qui sont plus près de la philosophie ou qui sont plus près des textes imprimés et qui s'intéressent moins aux sources. Moi, je pense que si on veut donner, c'est la phrase de Miss Van Der Rohe, God or devil are in details. Et je pense que l'historien doit être un homme de détail, si on veut donner de la vie et du détail à une période de l'histoire que l'on raconte, il faut passer par les sources et il faut s'immerger profondément. Et puis c'est important aussi de rester longuement dans des fonds d'archives parce qu'on est aussi un peu climatologue, hein, nous autres historiens. On essaye de saisir l'air du temps et l'air du temps d'une époque qui n'a absolument rien à voir avec l'ère de notre temps aujourd'hui. On l'attrape par mille petits détails, comme ça, à force de lecture. Il faut se perdre un peu dans ces archives. Souvent, lire de façon inutile, entre guillemets, des lettres qui ne vous serviront pas directement, mais qui vont vous permettre de vous immerger dans une période. C'est très important. Avant de découvrir la clairière, il faut se perdre un peu dans la forêt, quoi. Pourquoi n'est-elle pas plus explorée, cette bibliothèque? Très souvent, moi, quand je vais dans des fonds d'archives, aux archives nationales ou à la BN, on n'est pas très nombreux. Et j'encourage beaucoup, je ne sais pas s'il y a, là on parle avec de la jeunesse, mais j'encourage beaucoup, moi j'encourage mes élèves par exemple, mes doctorants, à aller aux sources, quoi, à travailler dans les archives. C'est vraiment important. Alors, il y a une source dont on n'a pas parlé, mais dont on pourrait parler, c'est la presse, les gazettes. Est-ce qu'elles ne commencent pas à se développer à ce moment-là? Absolument. On commence à publier la révolution de la presse un certain nombre de choses. Donc est-ce que les 7 jours ne sont pas la naissance de la presse d'opinion? Qui certes ne va être lu que par ceux qui savent lire ou qui vont se faire lire les gazettes. Oui. Mais en fin de compte, l'importance de l'affiche. Est-ce que l'affiche et la gazette, affiché, est-ce que l'imprimé n'a pas été aussi l'un des vecteurs de la transmission des idées et de la popularisation de ces idées auprès, entre autres, de Paris, parce que c'est surtout à Paris que s'est fait la Révolution. C'est un tournant essentiel. Même si la presse, malgré la censure royale qui est au fond, n'en est presque pas une, monte en puissance depuis une vingtaine d'années, mais elle explose véritablement en 1789. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais quelques 300 quotidiens se créent dans l'année, hein, ce qui est considérable d'ordre politique, alors que très peu de journaux avaient des pages politiques avant 1789. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tournant de 89, c'est aussi le tournant de la fin de l'anonymat. C'est-à-dire que dans le Mercure de France ou la Gazette de France, la plupart du temps, les articles n'étaient pas signés. Et 89, ça va venir progressivement, mais c'est le passage à la signature des brochures et des articles. On passe de l'anonymat à l'auteur, à l'article d'auteur. Et c'est le passage du secret à la transparence, dans un certain sens. La Révolution se fait au nom de la transparence des débats, de la transparence de la presse. Cette notion de transparence est essentielle, hein, dans l'esprit de 1789. Et c'est donc aussi cette transparence de l'identité
des auteurs politiques, des écrivains politiques. Alors, on ne va évidemment pas faire de prolongement outre mesure, mais est-ce que l'on pourrait connaître aujourd'hui ce genre de prise de pouvoir? Alors, ce genre, non mais on a parlé des gilets jaunes. Ouais. On a parlé aussi de la banqueroute de la France en 89 ou presque. Est-ce que on ne peut pas lire une sorte de configuration un peu sinon explosive, au moins latente, qui permettrait des choses bizarres dans les mois ou dans les années à venir? Alors, au regard de ce que l'on apprend dans ces 7 jours. D'abord, l'historien n'est pas... On a du mal à lire dans le marc de café, hein, mais bon. Mais je vous répondrai en deux temps. Le premier temps, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas du tout les mêmes. Cette liberté, cette égalité conquise en 1789, nous, quelles que soient leurs imperfections, et les imperfections, et peut-être même une forme de crise de nos systèmes démocratiques et de notre démocratie, elles sont acquises dans la loi et en droit. Donc ça, c'est tout de même une différence de taille. Je dirais aussi que, pour prendre l'exemple des gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure, que l'esprit de la révolte n'est pas le même. L'esprit de la révolte de 89, c'est un esprit d'avenir. On parlait d'utopie tout à l'heure. On a un peu l'avenir au bout de son fusil. L'esprit des gilets jaunes, il me semble, mais ceci n'engage que moi-même, est plutôt un esprit de résistance, de conservation d'acquis qui sont sur le point d'être perdus. Et je dirais aussi de résistance par rapport à une conquête de 1789, qui est celle des libertés individuelles, et tout simplement de la place de l'individu dans un système général de mondialisation qui les fait disparaître progressivement, qui les fait passer à l'anonymat. Et je pense que cette révolte des Gilets jaunes, c'est une révolte contre la montée en puissance des anonymes. Alors que précisément, l'individu naît en 1789 contre l'anonymat de la société qui l'a précédé, c'est-à-dire de l'insertion de l'individu dans des communautés. Et ce sont les individus en tant que tels qui sont mis en avant en 89. Et cette conquête-là, peut-être, est-on en train de la perdre? Et ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire... Donc ça, c'est une interprétation très personnelle. Et au-delà de ça, je dirais que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'on peut y entendre quelquefois, y voir des éclats, ou y entendre des échos assourdis. Et que parmi ces échos, moi, je vois tout de même une psychologie, une culture politique française qui naît en 89, qui préfère souvent l'affrontement au compromis, une psychologie sociale égalitaire qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, bien entendu, et qui naît tout de même un peu en 1789. Donc pas de révolution, ouais, évidemment, telle qu'elle a pu exister, même si les révolutions de 1830 et 1848 ont été des espèces de parodies de la grande révolution de 89, mais un climat qui naît à ce moment-là et qui ne s'est pas éteint. Bon, je pense que nous avons largement évoqué cet ouvrage. Bon, par les temps qui courent, vous savez que nos libertés sont un peu limitées ces temps-ci, puisque nous vivons une conjoncture un peu contraignante. Alors, je ne peux que vous encourager à vous plonger dans ce petit bijou, car je dis que c'est un petit bijou. Je n'en suis pas sorti, donc je vous le conseille. Vous savez que Emmanuel de Varesquiel court bien vite à la librairie Quoi faire pour dédicacer son ouvrage, n'est-ce pas? Oui. Voilà, oui, dit-il. Donc, prévu. Si vous voulez le voir en vrai, 4h30. À partir de 16h, le temps de s'y rendre sous la bruine. Merci d'avoir répondu d'avoir animé aux questions
de l'université permanente. Et puis c'est merci toujours de m'avoir invité. C'est toujours merci un plaisir, c'est toujours un plaisir de il discuter de ce genre de choses. Il est partagé, pourtant c'est plus difficile. On est tellement mieux avec un vrai public en chair. Donc que je salue et que je remercie, mais c'est tellement plus agréable et stimulant d'être ensemble. Mais bon, ça ne durera qu'un temps. C'est comme ça. Au revoir. Merci beaucoup.